Et salut à tous, on se retrouve du coup pour un nouvel épisode de ce let's play plus ou moins des chroniques d'âme de Soul Calibur 6. Et du coup, on va commencer sans aucune autre forme de pitié l'histoire de Nightmare. C'est mieux si j'appuie sur A. Comme toujours, je suis un peu dans la lune. The Azure Knight appeared in Europe, out of bound to no state. His endless, indiscriminate slaughter. Every night, Nightmare appeared, committing acts so heinous, he soon became a symbol of fear. Still, despite rumors about him spreading like wildfire, his true identity remained a mystery. It's just a rumor. I don't get it. If he kills everyone... Sounds fishy to me. I never heard any of these rumors when the war was in... Who's that at this hour? It's all... Boy, what's going... Au calme, tranquille. Merde. Ça va tellement vite que je comprends rien. C'est magique. Comme dirait dans le jargon, ta gueule, c'est magique. Du jeu de rôle. Tout a osé me toucher. Par contre, les dégâts sont assez phénoménaux. Phénoménaux. Phénoménal. C'est assez phénoménal, ouais. Allez, on va regarder un peu l'ultra. Je suis sûr que je l'ai raté. Voilà. J'ai raté mon ultra. Voilà, c'était bon. Impossible de savoir où Nightmare allait se rendre. Cependant, tant qu'il existera des moyens d'obtenir le pouvoir, des personnes seront toujours là pour tenter de s'en emparer, bonnes ou mauvaises. Préparant une rébellion contre le pouvoir en place, un seigneur local s'approche à Nightmare pour lui soumettre son plan. Mouah ! Excellent. So you are not... Could you, perhaps... Please, our tyrannical... Wait, wait! What is it you see? Stand strong! Protect! Bon, on va massacrer du soldat. Allez, c'est-y part. Le massacre du soldat. Seulement 3. Wow, d'où t'as osé me toucher, toi? Le style de Mitsurugi, là? Wow.
Salaud! Fumier! Le shop. D'où t'as résisté toi hein? Ah merde, j'aurais pas vu. Ah, la prochaine fois j'essaye de penser à faire mon ultra. Histoire de vous en mettre un petit peu plus dans les yeux, hein. Bah bravo hein. Confrontation avec Wolfkron. Tous ceux qui cherchent le Chevalier d'Azur en pensant être écoutés faisaient certainement fausse route. Nightmare finit par choisir le château d'Orstreinsburg comme résidence permanente. Il commença alors à tuer de nombreuses personnes sans distinction, déclenchant à terme un conflit avec le royaume voisin. Cet homme. Orstreinsburg Castle. Is that really where bandits likely ransacks the place? Keep your voices down. We've lost too many soldiers. Huh? Je l'aime parce qu'il s'en charge quand même lui-même. How dare... Nightmare, c'est le général en première ligne et qui bute tout le monde, quoi. C'est beau. C'est sûr que c'est pas de nos jours qu'on va avoir un 5 étoiles, un général 5 étoiles sur le terrain. Hein. Courir la fleur au fusil, hein. Laisser essayer mes trucs, quoi. Ok, c'était la touche bas. Et c'est pareil, je vais pas être plus. Wow, je vais quand même pas mourir contre une bouge. La vache, faut que j'arrête de faire mes conneries. Mais. Si je veux pas mourir comme un caca. Bon, allez, cette fois, j'essaye de vous montrer. Merde, raté. Ouais, c'est bon. Ok. Soif de sang de Nightmare était sans limite. Le Chevalier d'Azur et son armée d'êtres mutants continuèrent à ravager les environs et à récolter des armes jusqu'à ce que leur règne de terreur ait ravagé l'Europe entière. À côté de Nightmare se trouvait sa bande de loyaux associés, le bouclier du serment, et personne n'aurait pu deviner ses réelles intentions. Nightmare is growing more egregious by the... What if he is? His... But all that killing, what could he hope to achieve? Even I, he no doubt needs his appetite. I'm starting to doubt this is a... We have... the lead... is he still not... Keep your nonsense!
Ok. Oh, tu vas te calmer, ouais. Tu calmes. Tu te calmes. Voilà, là ça a été plus vite. C'est beau, c'est bien, c'est propre. N'empêche que j'attends qu'une chose, c'est qu'ils nous mettent tout bien quand même. C'est juste pour le lol, hein. Clairement. Il en a pas assez. Orstreinsburg fut soudainement attaqué par l'organisation Aval, un groupe secret désirant débarrasser le monde des démons. La puissance de Nightmare était telle qu'à ce moment que l'organisation en avait fait sa cible prioritaire. Après avoir déclaré l'état d'urgence, le chef de l'organisation se dépêcha de partir l'affronter. Cependant, Nightmare cherchait des âmes de plus en plus puissantes et cette attaque était donc idéale pour eux. Ok, donc on va buter des chevaliers d'Aval. Wow, pourquoi tu me fais ça? Pas beau tout ça. Je vais péter son armure. Oh, il va se calmer celui-là, le petit là. Le chaud. Voilà, bref. Dans ta gueule. Oh merde. Désolé, je fais des trucs à côté, donc non.
Là, il en restait un, je m'y attendais pas, ça. Désolé pour les oreilles, c'est mes pieds qui sont tombés à côté de mon dieu. And once he gathers enough, the Soul Edge will return to its former glory. Soon, father. Top. Du coup, on a encore un peu de temps. Du coup, je pense passer à Siegfried. 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 Bonjour, je m'appelle Siegfried. Le vrai visage de Nightmare. Ja. L'anneau du Nibelung. The Azure Knight, previously known as Nightmare, the former wielder of Soul Edge, who brought the world to its knees. In truth, he was first a knight named Siegfried. After killing his father by accident, Siegfried fell into a deep denial, which eventually twisted into a desire for revenge. Against his father's imaginary, to enact his revenge, he needed power. Turned into the sword's puppet, he became Nightmare. When the sword was shattered, Siegfried found himself awoke. Though freed from Soul Edge's grasp, he now had on the ground to his side. My sword as it thrust into his body. Gyron, father. From the moment I held, I began harvesting souls. The sword, my sins are too great. I want to peel my skin off. Incapable de supporter le poids de ses crimes, Siegfried tenta d'abandonner ce qui restait de Soul Edge. Cependant, l'épée maudite était si intimement liée à son destin qu'il n'avait pas laissé échapper à son emprise si facilement. Son règne cruel en tant que Nightmare était bien loin d'être oublié. De nombreux guerriers vinrent à lui dans le but de se venger. Vengeance! The Knight of the Great Soul. Answer me! Again. You make me sick! My comrades deserved better than that brutal. You shall die here this day! Ok. Vengeance! Je viens me venger! This ends here. Ready?
Merde. Je voulais vous montrer le super de l'ultra de Siegfried, mais je me suis fourré. How long will I ever be? Est-ce que je me réveillerai un jour de son de ce nightmare, ce cauchemar? Durant son but, Siegfried finit par croiser le fer avec une femme qui entendait détruire Soulage. Bien qu'elle affirmât être capable de purifier les âmes, le mal qui mangeait Siegfried était ancré trop profondément, voire être guéri. Malgré tout, leur rencontre permit à Siegfried de prendre la décision de faire face à ses péchés afin de les expier. I'd forgotten what it was like. Who are you? Sorry. Leave Soul Edge to me. No, wait! Soul Edge. Even reduce if I don't do something, it will corrupt her still. Someone... I may never be able to pay for my sins. For their evil can never... However, I may... If I could ensure... Yes. On va se battre contre Inferno. Le gâté. Soul Edge ne pouvait être abîmé par des armes conventionnelles et encore moins brisé. Afin d'assurer que l'épée ne tombe pas à nouveau entre les mains de quelqu'un, Siegfried décida de la sceller dans un endroit totalement isolé. Cependant, ce genre d'endroit n'était pas facile à trouver. Chaque fois qu'il abattait un nouveau guerrier venu chercher vengeance contre Nightmare, Siegfried craignait de perdre le contrôle et de redevenir son alter ego maléfique. Putain. Nightmare. Yes. Exact your. I need not your permission. However, I cannot die. Je suis en train de me prendre une branlée par un simple guerrier de merde. Ça soulage. Là, par contre, je sais plus, j'ai toujours pas montré le. Ouais, oh putain. I see blood. No, I am myself. I will not submit my crimes. Wait. Il faudra quand même que j'essaye de vous montrer. Ceux qui s'opposaient à Siegfried n'étaient pas tous animés par un désir de vengeance. Certaines âmes torturées. Mais ça semblait simplement attiré par le mal qui émanait de Soul Edge. Cependant, bien que Siegfried n'ait pas vocation à s'occuper de ces individus, ce n'était pas le genre de personne avec qui on pouvait raisonner. I smell you so sweet. Still, I attract the malfested like flies to. But you're undoubtedly Nightmare. You have. Wait a moment. Do you know how it is I know you're. Alas. It's because I was a malfested who worked under you. You weren't easy to find. The nightmare you seek is no more. How about I crush you like the worm you are and become. Okay. Battle one. Fight. Yeah.
sérieux? Oh merde. Attends, c'est pas vrai ça. Ah oh non, mais c'est pas vrai, mais c'est... Ah voilà. I hoped I wouldn't have to rely on this strength. A scout. Siegfried. Siegfried. They are appearing more and more. Could it be that Solar refused to give up? There must be someone. Oh, that's it. That sword that pierced, if I had that. Mais oui. Si on s'occupait de récupérer Soul Calibur. Le mal grandissait minute après minute à l'intérieur de Soul Edge. Un jour, Siegfried entendit une voix éthérée dans sa tête. Il s'agissait de Soul Calibur, l'épée sacrée, qui répondait aux tentatives désespérées de Siegfried de conserver sa santé mentale. Cependant, au vu des paroles de l'épée, celle-ci avait également besoin d'elle. En fait, on va se battre contre Nightmare, à l'intérieur de nous. Au moment où Siegfried empoigna le manche de l'épée maudite, il fut projeté dans le royaume de l'esprit. Il fut confronté aux images de ses défaites en tant que Nightmare. Soul Calibur apparut devant lui et il la regarda être dévorée lentement par le mal dans cette étrange dimension. Ou alors, Inferno. It's that sword. You wish for me to hold you? Stop right there! Are you Soul Edge? Just a little more. Your reign of terror ends here. Submit to me. Allez. Oh putain. Qui c'est qui a la plus grosse? Mais vas-y, il est passé en dessous. Putain, et puis c'est plus qu'il met 107 ans. Quoi? Attends, il y a deux. C'est qui l'autre? Ça va être Inferno? Ah ouais. Wow, tu te calmes!
plus tard. Voilà. Je pense qu'on est à la fin de l'histoire. Siegfried's battle with his knight, no one knows of his sacrifice. However, if there was ever one who could prevent the resurrection of the cursed... Hey, ben... Ah, OBS qui se coupe. Du coup, là-dessus, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Toujours sur le mode Chronique d'âme de Soul Calibur 6 sur PC. Allez, à ciao, à plus !